La phase 3, c'est la phase opérationnelle. C'est là où on va vraiment faire quelque chose. On va arrêter de faire des slides PowerPoint et des fichiers Excel à montrer à tout le monde. On va commencer à bosser. La phase opérationnelle, elle vise à appliquer notre phase stratégique, donc appliquer la stratégie qu'on a en tête à travers les outils du marketing. Et les outils du marketing, il y en a plusieurs. On peut travailler sur le prix, c'est la première chose. On peut travailler sur le produit, le changer, le modifier. On peut travailler sur la distribution et on peut travailler sur la communication. En fait, ce sont les quatre leviers, ce qu'on appelle le mix marketing, que nous allons appliquer pour mettre en place la stratégie qu'on a raisonnée. C'est une phase où on se rend compte souvent qu'il y a plein de petites choses qu'on n'a pas réfléchi dans la phase stratégique et qui sont beaucoup plus compliquées à appliquer qu'à penser. C'est facile de l'écrire sur une slide PowerPoint, c'est beaucoup plus difficile de l'appliquer.